Tiens, Sieur Cartier. Ah, comment allez-vous, Sieur de la proue entre elbite et fritules? Bien, bien. Reprenez-vous la mer, Sieur marin. Pas du tout, Sieur comptable, je reste ici. Me voilà surpris, Sieur aventurier. C'est pourtant la vérité, Sieur incrédule. Bon, eh bien, je crois que Sieur d'aller déjeuner. Ah, regardez là-haut. Quoi, où ça? Juste là. Hein? Oh merde. Je souhaite que le roi vous expédie en mission. Ça m'a demandé de me jeter. Sa majesté me demande. Vos pitreries suffiront, Cartier. Vous traverserez l'océan et irez découvrir un autre pays. Mais quel autre pays? Un pays que j'appellerai le Canada. Et pourquoi l'appeler le Canada? Parce qu'il y a des hommes primitifs et des chevaux au Canada. C'est pas parce qu'il y a des chevaux au Canada que vous devez l'appeler le Canada. Mais oui, quand il y a des chevaux, on appelle ça le Canada. Mais quel est le rapport entre les chevaux et le Canada? Parce que le cheval, quand il court, il fait Canada, 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 Canada. Canada? Compris? Oui, mais il y a aussi l'homme primitif. Précisément, et c'est pourquoi vous ne devez pas arriver le lundi. Pourquoi pas le lundi? Parce que ça le gêne, le lundi. Le lundi, c'est le gêne. C'est pourquoi on l'appelle l'indigène. Et si je veux pas y aller, moi, au Canada? Je vous dis, vous traverserez l'océan, donc l'océan, vous traverserez. D'accord, vous... Je vous dis, vous découvrirez le Canada, vous découvrirez. J'ai compris. Je vous dis, telle est votre émission de télé. Je regarde pas la télé. À moins que vous ne préfériez prendre la direction des oubliettes. Et combien ça paye, la direction des oubliettes? Attendez, directeur des oubliettes, environ 4 francs le mois. Je préfère le Canada. Parfait, je vais pouvoir commencer à négocier le traité de la Nouvelle-France. Et attendez tout de même que j'y sois, il est un peu tôt pour le traité de la Nouvelle-France. Comment? Trop tôt pour ce traité? Mais bien sûr, parce que ce traité... Eh ben quoi? Enfin, ce traité... Ben qu'est-ce qu'il a? Ce traité téméraire, ce que vous dites là. Vous partez maintenant! D'accord, d'accord. Ministre, qu'on lui donne des écus! Ce roi, je me le fourre dans le trou du cul. Qu'est-ce que vous avez dit, Cartier? Je serai de retour sans trop d'écus. Vous dépenserez ce que bon vous semble. Au revoir! Encore un voyage ridicule. Tiens, regardez les gars, c'est Cartier. Ne riez point de mon infortune, chers amis. Je suis en ce moment un pauvre homme. Oh, c'est un Cartier pauvre. L'on m'envoie en mission sur la mer, mais je ne suis pas sûr que je vais m'y conformer. Oh, on ferait mieux d'y aller, les gars. Le Cartier n'est pas sûr.